Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue famille Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous qui êtes connectés au travers de la francophonie. Bienvenue à ce temps de prière où nous allons passer une heure dans sa présence. Mon frère, ma sœur, ce soir, prenons le temps d'apprécier le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il nous a été donné le privilège de nous approcher avec assurance du trône de la grâce à cause du sang versé par Jésus. La porte, c'est le corps de Jésus qu'il a sacrifié. Et nous avons accès au trône de la grâce par le sang précieux de notre Seigneur. Ce soir, si nous pouvons entrer dans sa présence, c'est parce que le Seigneur Jésus nous a donné le privilège d'être des enfants en nous donnant part à l'héritage des saints. Ce soir, nous sommes là dans la glorieuse présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Là où tu es, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est là. Alors là où tu es, dispose-toi pour ce moment, dispose-toi pour honorer sa glorieuse présence. Si tu reconnais le privilège que tu as, est-ce que tu peux déjà dans ton cœur avoir des soupirs d'action de grâce, des soupirs de reconnaissance pour le privilège que nous avons reçu de Dieu notre Père, d'approcher de sa présence. Nous sommes dans sa présence. Mon frère, ma sœur, toi qui es connecté depuis ton salon, depuis ta chambre, depuis ta cuisine, depuis ta voiture, depuis les transports en commun, peu importe l'endroit où tu es connecté, son esprit est là, son esprit est en nous. Et maintenant que nous sommes connectés ensemble, son esprit est avec nous. Alors nous sommes en train de commencer à faire monter des actions de grâce. Malerebosi katala mazerebosi andalabasa reko sodorobisa talabasa. Le cœur rempli de reconnaissance, le cœur rempli d'actions de grâce pour le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ce soir, nous sommes attirés dans sa présence par son esprit. Toi, mon frère, toi, ma sœur, la Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Ce soir, si tu t'es connecté, c'est parce que le Saint-Esprit t'a connecté. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par une intelligence humaine. Alors nous voulons prendre le temps d'apprécier le glorieux Saint-Esprit par qui nous avons accès. Nous allons au Père. Si nous devons prier, c'est par lui. Alors ce soir, appréciant, apprécie mon frère, apprécie ma sœur, sa présence, honore sa présence. Malisoto rabazite lebosiana, le rabobosso dolobia se katalabasa, mandere koso katalabosso. Ah mon frère, ma sœur, est-ce que tu es en train de faire monter des soupirs d'action de grâce? Malisita rabosine lebosataya. Ce soir, nous voulons t'honorer, Saint-Esprit. Ce soir, mon frère, ma sœur, peu importe la journée que nous avons eue, nous voulons apprécier le Saint-Esprit. Nous voulons honorer le Saint-Esprit ce soir. Marazene lebozita la bosataya basa. Erekozita la basete lebosa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Disons ce soir, Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un pour élever la voix? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es en train de dire tu es honoré. Ce soir, nous voulons apprécier sa présence. Nous voulons l'honorer, lui, le glorieux Saint-Esprit. L'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, tu es honoré. Ô Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit. Ah, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es en train d'apprécier le Saint-Esprit? Es-tu en train de l'honorer? Est-ce que dans ton cœur tu es en train de l'honorer? Est-ce que dans ton cœur des soupirs d'action de grâce et de reconnaissance? Est-ce que ce sont ces fleuves qui en sont en train de couler du sein?
nos entrailles ce soir. Tu es mon frère, ma sœur est en train de t'apprécier, Saint-Esprit. Nous sommes en train de t'honorer. Magnifique présence de Dieu. Oh, nous sommes en train de t'honorer. Ce chant est pour toi, Saint-Esprit. Nous sommes en train de dire ce soir, oh, Saint-Esprit. Nous voulons te dire, Saint précieux et glorieux, nous voulons te dire ce soir, tu es. Ah, nous sommes en train de t'honorer, nous sommes en train de t'apprécier, nous sommes en train de faire monter ces soupirs en reconnaissance au Père pour ta glorieuse présence. Ta magnifique présence. Ah, tu es le paraclet. Tu es notre aide. Tu es celui qui est notre associé. C'est toi qui nous associe à la vie et la nature de Dieu le Père. Nous voulons t'apprécier. Tu es Saint-Esprit. Ah, ce soir, mon frère, ma sœur, où que tu sois connecté, est-ce que tu es en train d'apprécier la glorieuse présence du Saint-Esprit, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, celui pour qui le Seigneur Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, votre Père ne vous enverra pas le Saint-Esprit. Malisa rebo bosikata rebosa. Nous t'apprécions ce soir, nous sommes en train de t'honorer. Oh précieux Saint-Esprit, oh ce soir nous voulons te dire tu es. Malésita la basete rebosia. Ah précieux Saint-Esprit, nous allons lui dire combien nous l'apprécions. Ah, tu es apprécié. Ah, précieux Saint-Esprit, nous t'apprécions. Ah, mon frère, ma sœur, t'apprécie, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'aurions pu rien faire en cette journée. Il est écrit dans la parole, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ce que nous avons fait, c'est par toi. Tu es l'esprit de la grâce. Alors si la grâce nous a donné d'accomplir tout ce que nous pouvions accomplir aujourd'hui, nous sommes reconnaissants, Père, que c'est parce que celui qui est notre paraclétos, celui qui est notre aide, notre avocat, notre conseiller, a été avec nous. Celui qui est notre sagesse, tu es apprécié. Esprit du Seigneur, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de créativité, c'est toi qui nous as donné, Saint-Esprit, la vitalité dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est toi qui nous as fortifiés aujourd'hui. Alors nous voulons t'apprécier. Nous voulons, mon frère et ma sœur, veut t'apprécier ce soir. Saint-Esprit, ah, tu es en train de dire, tu es apprécié. Ah, mon frère, ma sœur, élève la voix là où tu es. Dis-lui, tu es apprécié. Dis-lui, tu es apprécié. Est-ce que tu es en train d'apprécier la force que tu as eue aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit qui nous l'a communiqué. La vitalité que nous avons eue aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a communiqué. La joie que tu as eue en dépit de toutes circonstances, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a communiqué. La paix que nous avons eue, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a communiqué. Alors est-ce que tu es en train d'apprécier? Tu es. Ah, mon frère, ma sœur, même le désir de venir ce soir être connecté au temps de prière, si ce n'était par la puissance qui agit en nous, infiniment bien au-delà de ce que nous pensons, nous ne serions pas là. Et cette puissance est en nous par la personne du Saint-Esprit. Nous t'apprécions, tu es apprécié, Saint-Esprit. Tu es.
Saint-Esprit, tu es apprécié. Saint-Esprit, Malozo, Rababase, Ketenebo, Sitalabase, tu es apprécié. Les Rabobo, Sikatalabasa, les Ozo, Malekatise, Dabosa. Nous sommes en train d'apprécier le Saint-Esprit. Il est l'Esprit pour lequel Paul a dit, non pas moi, j'ai œuvré plus que tous, non pas moi, mais la grâce qui est en moi, la grâce qui est en nous, c'est la personne du Saint-Esprit qui par sa puissance agit en nous et au travers de nous. Alors sommes-nous en train d'apprécier la glorieuse présence de Jésus? Sommes-nous en train d'apprécier la glorieuse présence du Père? Tu es apprécié. Ah, magnifique présence de Dieu. Esprit de vérité, c'est toi qui nous as conduits en cette journée. Nous voulons t'apprécier. Ah, nous disons, Père, nous apprécions la présence de ton Esprit. Nous apprécions celui qui nous a conduits en cette journée. Tu nous apprécions celui par qui tu nous as affermis en cette journée. Ce soir, nous sommes en train d'apprécier la glorieuse et magnifique présence du Saint-Esprit. Tu es. Ah, mon frère, ma sœur, et comme ce Samaritain, nous voulons, en appréciant le Saint-Esprit, en faisant ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de rendre la gloire au Père, nous sommes en train de rendre des actions de grâce, nous sommes en train de dire au Père combien nous nous sommes reconnaissants de ce qui nous a pas laissé orphelins, qui nous a donné le précieux et glorieux Saint-Esprit, qui est notre aide, qui est celui qui nous a fortifiés, celui qui nous a relevés. C'est aujourd'hui, mon frère, ma sœur, peut-être tu as été découragé, mais tu reconnais qu'à un moment donné, tu t'es relevé. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est le glorieux Saint-Esprit qui est la main droite qui fait justice, qui t'a relevé, qui t'a soutenu. Alors, est-ce qu'on est en train d'apprécier? Est-ce qu'on est en train de rendre grâce? Est-ce qu'on est comme ce Samaritain qui, au milieu des dix lépreux, est revenu pour rendre gloire au Père? Ce soir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de rendre la gloire au Père en appréciant sa présence glorieuse par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de rendre grâce au Père pour lui dire, Père, nous te disons merci. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour la vie qui nous a communiqué. Merci, Père, pour la sagesse qui nous a communiqué. Merci pour la créativité qui nous a communiqué. Ah, nous sommes en train d'apprécier. Magnifique Saint-Esprit. Ah, nous sommes en train d'apprécier. Ah, mon frère, ma soeur, même le fait qu'on soit connecté en ce moment, c'est le fruit du Saint-Esprit. Même le programme auquel nous sommes connectés en ce moment, c'est le fruit de la puissance du Saint-Esprit manifesté. Le fait que nous soyons devenus une église fervente dans la prière, c'est le travail, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Manisa telebo sota la baha, manebo bosa. Ah, nous sommes en train d'apprécier semaine après semaine parce que nous recevons une parole qui est en train maintenant de nous réveiller à la réalité du retour de Jésus. Lorsque tu es en train de dire nous t'apprécions, tu es en train de rendre gloire pour les paroles qui sont libérées semaine après semaine, pour son serviteur qu'il a inspiré pour venir nous porter un message de la part de Dieu le Père. Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, élève la voix et apprécie, ne reste pas silencieux là où tu es. Apprécie le glorieux Saint-Esprit, apprécie son œuvre. Nous t'apprécions, Saint-Esprit. Élève la voix là où tu es. Élève la voix. Tu es apprécié,
sommes en train d'apprécier celui qui nous a éclairés, celui qui nous a dirigés, celui qui nous a conduits. Est-ce que tu es en train d'apprécier en cette journée, mon frère, ma soeur, qui t'a conduit, qui a dirigé tes pas tout au long de cette journée? C'est la présence glorieuse du Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train d'apprécier? Magnifique, magnifique. Nous sommes en train de t'apprécier. Ah, là où tu es, tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit. Là où tu es, tu peux élever les mains pour simplement apprécier sa présence. Alors là où tu es, n'aie pas honte, apprécie sa présence, Saint-Esprit. Les équeterebos sotalabaha, les ososatelebos ikatabaha. Nous sommes en train d'apprécier la magnifique présence de Dieu. Les équeterebos sotalabaha, sirorobos ikaterebosaha. Ah mon frère, ma soeur, tu peux acclamer là où tu es, tu peux battre des mains là où tu es. Apprécie la présence du Saint-Esprit, ne reste pas silencieux. Ne laisse pas tes mains sans mouvement. Alors acclame le Seigneur. Acclame sa présence là où tu es, en signe d'appréciation. Abondant, abondant en action de grâce. Allez, c'est qu'était les beaux. Nous sommes en train d'apprécier. Les casés, les beaux sites en bas. C'est pour vous, 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 Tu es apprécié. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, tu es adoré, Saint-Esprit. Tu es adoré, parce que tu es Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu, mais tu es Dieu. Nous voulons t'adorer maintenant. Nous voulons, alors que nous sommes dans ta présence, là où tu es, mon frère, ma soeur, adore-le. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es adoré. Saint-Esprit, adorons le Saint-Esprit. Marézézé, Kota, là-bas, c'était les Bossa. Nous adorons le Saint-Esprit. Nous adorons le Saint-Esprit. Marazo, Koto, Robossi, Paradese, Kete, les Bossa. Ah, Jésus a dit, personne ne vient à moi si cela ne lui est donné du Père. Le Père dont il parlait, c'est le Père en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Adorant le Saint-Esprit, par lui, nous serons rapprochés de Jésus le Christ. Adorant le Saint-Esprit. Marondo Sokata Labosa. Magnifique Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es adoré, Saint-Esprit, tu es adoré. Par toi nous adorons Jésus, Jésus-Christ. Tu es adoré, Jésus-Christ. Tu es adoré, Jésus-Christ. Jésus, nous adorons le Père, Abba, Père. Tu es adoré, Abba, Père, nous disons Abba, Père. Tu es adoré, Abba, Père, nous te disons. Tu es adoré, Abba, Père. Saint-Esprit nous donne d'adorer le Père.
adorant le Père, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de toi, Abba Père. Abba, Abba Père, Abba, nous voulons t'adorer. Tu es, mon frère, ma soeur veut t'adorer. C'est un moment d'intimité, c'est une heure dans ta présence. Ah, mon frère, ma soeur, lorsque la présence de Dieu est là, nous n'avons qu'un seul choix, c'est de nous prosterner et de l'adorer. La prosternation, c'est une attitude de cœur. C'est pas forcément parce que tu es dans les transports, parce que tu es dans ta voiture ou dans la cuisine. C'est une attitude de cœur où on s'abaisse devant sa glorieuse présence, disant Abba Père, oh tu es Abba Père, nous disons Abba Père, nous disons. Gloire. Abba Père, ce soir nous voulons adorer le Père, adorer le Fils, adorer le Saint-Esprit. Ce soir, dans ta présence, nous disons Abba, Abba Père, nous disons tu es adoré. Allez, c'est à la basse. Les cathos au rababassé. Abba Père, nous te disons, tu es, allez écrire aussi dans la bassa tarabosa, marazotorobosi katarabosa. Ah, mon frère est en train de t'adorer ce soir, ma sœur est en train de t'adorer ce soir, connecté depuis YouTube, connecté depuis Smart ICC, connecté depuis Facebook, d'où que tu sois connecté, adore le Père par le Seigneur Jésus. Alors que le Saint-Esprit nous a emmenés dans le lieu très saint, alors que le Saint-Esprit nous a conduits au plus près du cœur du Père, bien-aimé, ce soir adorons-le, adorons le Père, tu es. Abba Père, nous te disons, Aliko Zorama, c'était les bossi tabaha, Erosa de lebossa, Zano robosi katalabase. Ah, élève la voix avec tes propres mots, avec tes propres mots, adore le Père, adore-le, adore-le, dis-lui combien tu es reconnaissant d'être son enfant, dis-lui combien tu apprécies ce privilège d'appartenir à sa famille. Malese katoroboso, zazo adelekati zabare, zeroso katalabase. Ah, mon frère est en train de t'adorer, ma sœur est en train de t'adorer, tous ensemble, comme un seul être, comme un seul corps. D'une même voix, Père, nous sommes en train d'élever vers toi, Père, nos actions de grâce. Nous sommes en train de faire abonder, abonder ce sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance. Parce que ce soir, nous reconnaissons, Père, que tu as été fidèle en ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos familles. Tu nous as affermis, tu nous as fortifiés durant cette journée et tu nous as gardés du malin. Alors nous sommes en train d'apprécier, nous sommes en train de t'adorer parce que nous reconnaissons que le Dieu fidèle a parlé ce soir. Nous t'apprécions, Père, Malesa Zokatalebosa. Ah, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es en train de rendre grâce au Père, de t'avoir affermi, de t'avoir fortifié par son esprit et de t'avoir gardé du malin? Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix.
voix là où tu es, mon frère, ma soeur, élève la voix. Ah, rends grâce de ce qu'il t'a affermi aujourd'hui. Rends grâce de ce qu'il t'a gardé du malin. Rends grâce de ce que ta famille, ma famille, ont été gardés du malin. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous as affermis aujourd'hui. Tu nous as gardés du malin. Tu nous as protégés, nous. Tu nous as protégés dans nos différentes activités. Dans nos lieux de travail, tu as été avec nous pour nous protéger. Marazo Kotorobosa, tu as fait parler ta fidélité. Ah, nous sommes en train d'apprécier. Tu nous as gardé non pas seulement nous, nos familles. Tu as gardé nos maisons. Tu as gardé tout ce que tu nous as confié. Nous sommes en train d'élever la voix. Mon frère, ma soeur, élève la voix et commence à apprécier. Rends grâce à Dieu le Père. Est-ce que tu es en train de rendre la gloire au Père, à celui qui a manifesté sa fidélité? Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens, selon qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. Alors est-ce que tu peux élever la voix, élever la voix? Élever la voix et rendre grâce parce qu'il nous a affermis. Il nous a donné les forces dont nous avions besoin. Il nous a maintenus aujourd'hui, durant toute la journée, dans toutes nos activités. Sa main était tendue sur nous, pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous relever. Là où on se sentit faible, sa main nous a relevés. Il nous a gardés du malin. Alors mon frère, ma soeur, élève la voix là où tu es. Élève la voix, rends grâce. Rends grâce là où tu es. Commence à rendre grâce. Rends la gloire à Dieu, au Dieu fidèle qui t'a protégé, qui t'a affermi. Ah Père, nous voulons te rendre grâce à toi qui as été notre soutien. Merci Père, à toi qui as pourvu à tous ceux dont nous avions besoin aujourd'hui. Seigneur, nous n'avons pas manqué de provision. Même là où nous croyons ne pas avoir de provision, ta main s'est étendue, Père. Si nous sommes à 7 heures et que nous avons pu accomplir les œuvres que nous devions accomplir en cette journée, c'est parce que ta provision nous a localisés. Alors nous voulons élever la voix et te rendre grâce, abonder en actions de grâce. Élève la voix, mon frère, prie. Ma soeur, prie, élève la voix. Abondons en action de grâce. Abondons en action de grâce. Nous t'apprécions, Père. Nous t'apprécions pour ta main étendue. Nous t'apprécions, Père, pour ta fidélité. À toi qui as pourvu à tous nos besoins selon ta richesse. Tu ne l'as pas fait selon nos capacités. Tu ne l'as pas fait, Seigneur, selon nos compétences, mais c'est selon la richesse de ta grâce. Nous sommes en train de rendre des actions de grâce. Mon frère, ma soeur, d'où tu es connecté, élève la voix, ne reste pas silencieux. Rends grâce. Si tu as pu accomplir ce que tu devais accomplir aujourd'hui, rends grâce parce que c'est la grâce de Dieu. Rien n'est acquis, il n'y a rien d'acquis. Nous avions la volonté, mais nous n'avions pas la capacité. Et c'est Dieu qui nous en a donné la capacité. C'est lui qui nous a donné la santé afin de prospérer. Élevant la voix, élevant la voix. Rebobo sikata la mazete rebosa. Mero
zota la bese ketele bosiha. Zeze kandolo bosa tabaha. Nous sommes en train d'élever la voix. Nous continuons à élever la voix et à abonder en action de grâce. Père, merci. Merci d'avoir protégé nos familles. Merci d'avoir pourvu pour nos familles. Merci d'avoir pourvu, Père, pour nos maisons. Merci d'avoir pourvu, Père, pour toutes nos familles étendues. Marco Sotarabasa. Pour tous ceux dont nous avons besoin, les besoins spirituels, les besoins émotionnels, tu as tout pourvu en ce jour. Makatelebosa, les besoins financiers, les besoins matériels. Makatelebosa, et tu l'as fait, Seigneur, selon l'abondance de ta richesse, de la richesse de ta grâce. Mon frère est en train de rendre grâce, ma sœur est en train de rendre grâce, mon frère et ma sœur sont en train d'élever la voix et de rendre gloire à Dieu le Père. Tous ensemble ce soir, nous élevons la voix. Continuons à abonder en action de grâce. Continuons à abonder en action de grâce. Ah, bien-aimés, continuons à abonder en action de grâce. Abondons en action de grâce pour les pays, les nations, les territoires sur lesquels Dieu nous a implantés. Nous continuons à rendre grâce. Selon qu'il est écrit, dans Josué 1, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en comme je l'ai dit à Moïse. Alors nous allons continuer à élever la voix pour toutes les nations sur lesquelles il nous a implantés. Continuons à abonder en actions de grâce. Bien-aimés, ne restons pas silencieux. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas là où tu es en ce moment établi, la ville où tu te trouves, le pays dans lequel tu te trouves, le territoire dans lequel tu te trouves, le territoire dans lequel les églises Impact Centre Chrétien ont été établies. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est parce que Dieu, dans sa bonté et à cause de la richesse de sa grâce, nous a donné d'être établis dans ces lieux. Alors élevons la voix et rendons grâce, Père, nous te rendons grâce. Ah, bien-aimé, si tu vois qu'aujourd'hui, il y a des endroits dans lesquels Dieu t'a établi tout au long de la journée, alors élève aussi la voix pour rendre grâce. Si tu vois qu'aujourd'hui, tu peux encore travailler dans l'entreprise où tu es, c'est un territoire, rends grâce. Si tu es encore dans la ville où tu es, rendons grâce. Marozo Katalabosa. Les Kazozo Satelebosi Katalamaha. Rebobosi Kataleboso Katerebandelebosi. Nous continuons à rendre grâce. Mare de Bossi Katalaboso Katalebobosi Katalebosa. Mandeko Robobosi Katalebosa. Les Rababase Keteremoso Karebosa. Rendons grâce pour ce territoire. Rendons grâce parce qu'il nous a établi. Rendons grâce. Alors qu'il nous a donné la possession de ces territoires, ça veut dire qu'il nous a établi aussi comme autorité spirituelle. Nous l'avons compris, l'Église que le Seigneur Jésus vient chercher, c'est celle qui est la lumière du monde. Et une des façons d'être la lumière du monde, c'est de tenir sa position en tant qu'autorité spirituelle. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Le rôle du sacrificateur, c'est de venir se lever, se tenir et proclamer ce que Dieu a demandé de proclamer. Notre rôle, c'est de nous tenir et de prier pour les nations. Alors rendons grâce parce que le Père, là où le Père t'a établi, l'entreprise dans laquelle il t'a établi est un territoire. La ville dans laquelle tu habites est un territoire. Tu es devenu l'autorité spirituelle pour prier pour ce territoire, pour prier
pour les autorités qu'il y a dans ce territoire, les pays dans lesquels nous avons été établis, les régions dans lesquelles nous avons été établis. Ce sont des territoires où Dieu nous a donné d'être positionnés. Marazo Zoka Telebosa. Keramaze Telebosi Katalabaha. Rebobosi Ketelebosa Telebosa. Lezo Katalamase. Mande katorobosi katabaha, rabobosi. Ah, mon frère, ma soeur, si l'atmosphère de la ville où tu es a évolué, si on peut voir aujourd'hui que, par exemple, en France, les activités sont en train de reprendre, c'est parce que nous avons été établis comme autorité, alors que nous nous tenions dans la prière, selon l'instruction qui avait été donnée par le Seigneur, par la bouche de son serviteur. Nous nous sommes tenus, les programmes que nous faisons semaine après semaine, une heure dans sa présence, alors que nous intercédons. C'est cette atmosphère qui est en train d'établir l'atmosphère de nos territoires. Alors rendons grâce pour ce privilège que nous avons reçu en tant que justes. C'est parce que la Bible dit que les oreilles, les yeux de l'Éternel sont sur nous et ses oreilles attentives à nos prières. Bien-aimés, rendons grâce parce que nous avons été entendus. Rendons grâce donc pour ces territoires. Marezo Kotorobosa. Les Katelebosi Katabaha. Les Atalebosa. Mon frère, ma soeur, peu importe le territoire où tu es, si tu vois que la crise sanitaire a commencé à manifester des changements, les déconfinements, à la reprise des activités économiques, rends grâce, rends grâce. C'est parce que tu as été établi comme autorité spirituelle. Marozo dolazo terebosi kabaha. Lizo katalebosi kata ebrosa. Alekoso. Rendons grâce pour l'économie. Rendons grâce. Mareka terebosa. Là où les activités économiques sont en train de reprendre, c'est parce que l'économie est en train de reprendre. C'est parce que nous nous sommes tenus dans la prière. Rendons grâce parce que c'est le privilège des justes, c'est le privilège des enfants de Dieu. Marabobosa, Rebobosi Katabaha. Ah, mon frère, ma soeur, tu peux reconnaître que semaine après semaine, alors que nous nous tenons dans la prière, nos prières ne restent pas silencieuses, elles sont entendues. Si les choses sont en train de changer, c'est parce que un peuple s'est levé pour intercéder. Makete lebosi katalabaha, zezo katalabosa talabaha, mandele koso katalaboso rababa, lebobosi katalaboso katabaha. Rendons grâce, rendons grâce. Mandele kosi katabaha. Ah Père, nous te rendons grâce pour les territoires sur lesquels tu nous établis. Nous te rendons grâce, Père, pour ta fidélité. Alors que tu as dit, si mon peuple prie, si mon peuple se répand et change son cœur, change sa direction et se met à prier, je guérirai les nations, je guérirai les territoires. Père, nous pouvons voir que les activités économiques ont repris. Nous pouvons voir que les déconfinements sont en train de continuer à s'établir. Nous pouvons voir que semaine après semaine, les églises sont en train de s'ouvrir à nouveau. Nous pouvons à nouveau nous réunir et t'adorer ensemble et te louer ensemble. Nous pouvons reprendre les activités. Nous pouvons te louer ensemble. Makarebosa. Même si nous ne pouvons pas encore le faire dans les mêmes lieux, mais par petits groupes, nous pouvons nous réunir ensemble et t'adorer et te célébrer. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce pour nos territoires. Merci, Père. Makazeto robosi katarabosa. Marezete rebosa raba. Rekazelebosa. Ah, bien-aimés, nous allons prendre un autre point de prière. Et nous allons maintenant prier pour que le Seigneur remplisse de sagesse et d'intelligence les différentes autorités de nos nations. Bien-aimés, nous devons élever la voix afin de prier pour toutes les autorités, puisque c'est nous qui avons été établis comme les autorités spirituelles, les justes que nous sommes, pour pouvoir élever la voix. Nous avons vu qu'à cause de nos prières, beaucoup de décisions ont été emmenées en faveur des justes. Alors nous devons continuer à prier parce que nous l'avons compris. Il y a un plan
un plan de créer une autorité qui agit contre les pouvoirs établis. Elle agit de façon sournoise. Ce n'est pas des présidents, ce ne sont pas des présidents, des premiers ministres, des rois, mais c'est une entité qu'on appelle l'ordre divin. Nous l'avons entendu de la bouche de son serviteur, qui est en train d'agir. Des gens qui n'ont pas le pouvoir de décider, que nous n'avons pas voté, que nous n'avons pas établi nous, mais qui se sont établis eux-mêmes comme étant des experts, comme étant des conseillers pour imposer des décisions. Nous devons prier, nous devons élever la voix pour que la sagesse remplisse, la sagesse de Dieu remplisse tous ceux qui sont élevés en autorité. Les présidents de la République, les premiers ministres, les préfets, les maires, les autorités judiciaires, les autorités sanitaires et sociales, les chefs d'entreprise, élevant la voix, de sorte qu'il est écrit dans Agé 1, verset 14, « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shéthiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. » Alors, élevant la voix et demandant au Père, par la puissance de son esprit, de remplir de sagesse toutes les personnes qui sont élevées en autorité, ceux que nous avons établis, nous, ceux pour qui nous avons voté, ceux pour qui nous avons eu une action pour qu'ils soient établis, ceux que nous avons reconnus. Ah, élevons la voix, bien-aimé, c'est nous, le pouvoir est entre nos mains, le pouvoir est dans la bouche du juste, parce que la Bible dit que les oreilles du Seigneur sont attentives aux prières du juste. Alors élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur, élevons la voix ensemble. Maroso kate rebo si katabase, lebo soto robo si katabaha, les otarabosa. Ah Père, réveille, réveille l'esprit des présidents, réveille l'esprit des premiers ministres, réveille l'esprit des préfets, des maires, réveille l'esprit des autorités judiciaires, réveille l'esprit des autorités sanitaires, réveille l'esprit des autorités sociales, réveille l'esprit des chefs d'entreprise, afin que Seigneur, ta sagesse les remplisse, ton intelligence les remplisse, et que les décisions qu'ils prendront soient des décisions qui soient en ligne avec ta volonté, avec le règne de ton esprit. Seigneur, remplis-les de sagesse, remplis-les d'intelligence, afin qu'ils agissent de façon conforme à ta volonté, de façon conforme au règne de Dieu, au règne des cieux sur la terre. Que les décisions qu'ils prendront ne soient pas influencées par cette entité invisible qui tend à venir prendre le pouvoir. Ah bien-aimé, en même temps nous allons élever la voix et prendre autorité afin de briser tous les plans qu'ils ont pu monter, afin d'influencer les présidents de la République, afin d'influencer les premiers ministres, afin d'influencer les autorités. Toutes les idées, toutes les pensées qu'ils ont pu libérer pour les influencer à prendre des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu, à l'agenda du Père. Nous allons maintenant élever la voix et nous allons prendre autorité. Makerebosa. Nous allons maintenant briser dans le nom de Jésus ces idées. Nous allons briser tout ce qu'ils ont pu établir. Dans le nom de Jésus. Ah Père, nous venons maintenant comme un seul homme
par l'autorité de Christ Jésus, nous venons maintenant pour briser, Père, tout ce qui avait été établi par ces entités invisibles, qui n'ont pas été établies, qui n'ont pas été votées, qui n'ont pas été établies par les peuples, reconnues par les peuples. Nous venons briser ce qu'ils ont fait, toutes les pensées, les plans, les idées. Nous les brisons maintenant, nous les rendons nuls au nom puissant de Jésus. Nous réduisons à néant leur stratégie, nous réduisons à néant leur plan, nous réduisons à néant toutes les pensées qu'ils ont déjà fait avancer. Nous neutralisons tout ce qu'ils ont pu établir dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, élève la voix, brise ces choses. Tous les conseillers occultes, tous ceux qui viennent sournoisement pour conseiller les présidents, tous ces experts qui en réalité ne sont pas de véritables experts, qui ont un autre plan, celui d'établir le fils de la perdition. Nous venons maintenant contre eux comme un seul homme. Nous venons briser maintenant leur puissance. Nous réduisons à néant leur puissance. Nous les neutralisons dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Élève la voix là où tu es. Brise leur pouvoir. Brise ce qu'ils ont fait. C'est à nous d'élever la voix. Toutes les pensées, Père, qui venaient pour nous empêcher, à nous, ton Église, d'avoir nos activités, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te louer, de pouvoir nous rassembler ensemble. Car tu as dit dans ta parole qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Toutes ces lois qui viennent pour nous réduire, les lois qui viennent pour nous éloigner, pour nous distancer, pour nous séparer, Seigneur, alors que tu veux que ton peuple soit assemblé pour t'adorer. Père, nous élevons la voix maintenant et nous venons contre ces entités. Nous venons briser vos plans maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous brisons ces plans, nous réduisons à néant ces plans. Toutes ces entités occultes, nous venons maintenant contre vous comme un seul homme. Ah, bien-aimés frères et sœurs, là où tu es, détruit, dans le territoire où tu te trouves, détruit, réduit à néant. Si tu es en Afrique, détruis. Si tu es en Europe, détruis ses plans. Si tu es en Amérique, détruis ses plans. Si tu es dans les Caraïbes, détruis ses plans. Tous ces experts qui venaient arrêter l'économie pour mettre le monde entier dans la récession, détruisons ses plans. Mon frère, ma soeur, tu as compris que derrière ça, c'est l'ordre mondial qui est en train d'être vouloir établi. Nous devons réduire ça à néant. Nous devons réduire ces plans à néant. Ne reste pas silencieux, mon frère. Ne reste pas silencieux, ma soeur. Brise ces choses. Tous les plans qui venaient contre ton Église dans la francophonie et dans le monde entier, qui vient pour réduire ton Église, qui vient pour empêcher ton Église de continuer à croître, parce que tu as dit, allez par-delà le monde et annoncez la parole. Tous les plans qui viennent pour, dans le but de nous délimiter, dans le but de nous réduire dans nos activités, dans nos mouvements, ah bien-aimés, élevons la voix et détruisons ces choses, réduisons à néant.
Mon frère, ma soeur, ne reste pas silencieux. Si tu es injuste, ne reste pas silencieux. Parce que la parole dit que les oreilles du Seigneur sont sur... sans attentive aux prières des justes. Alors ne reste pas silencieux. Brise ces choses. Réduis à néant. Nous réduisons à néant tous leurs plans. Nous réduisons à néant toutes leurs tentatives de nous limiter. Nous réduisons à néant toutes leurs tentatives de nous réduire dans leur mouvement. Nous réduisons à néant toutes les tentatives. Derrière ça, c'est le pouvoir de Satan qui est en train d'agir. Maroso korobosi kababaha. Lekazo korobosi kabaha. Manese keterebosa. Mon frère, ma soeur, tu es une lumière. Ah, une des façons de prier, c'est de prier, c'est de prendre notre position d'autorité. Nous avons reçu l'autorité de son Christ. Alors marchons maintenant sur les serpents, les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi. Aucune d'elles ne prévaudra sur nous. Le Seigneur a dit qu'il bâtira son église. Alekosa. Et les portes de l'enfer et du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Alors mon frère, ma soeur, si tu as compris ça, élève la voix. Brise, brise, réduis à néant. Marozoko. Robosi katanaba seterebosa, la kese terebosa, marese terebosa, lisazo katanabosi katabaha, erababosa, rabazeke tereboso katabaha, likazo toroboso katabaha, rezo kotorobosiha. Derrière la fermeture des frontières, derrière l'arrêt des vols, il y avait un plan qui était caché. Marezo torobosi kababaha, rebobosso katabaha, malekosoha, lekazo torobosa. Ah, bien aimé, ces choses ont été imposées au gouvernement, ces choses ont été imposées aux autorités sanitaires, sans même explication, sans même qu'ils comprennent. Ils ont simplement appliqué des conseils qui ont été donnés par des gens qui ne sont pas au pouvoir, par des gens qui ne sont pas établis, que nous n'avons pas reconnu. Alors bien-aimés, brisons, brisons, réduisons à néant ces plans, réduisons à néant ces stratégies. Plus nous allons élever la voix, plus ces plans vont être réduits à néant. Plus nous allons élever la voix, plus ces plans vont être réduits à néant. Marezo Tarabaha. Derrière ça, le plan, c'était de mettre une atmosphère de peur. C'était de mettre une atmosphère de peur. Makatelebosa. Nous brisons toute pensée de peur, tout esprit de peur qui venait parler. Makatelebosa. Qui effrayait les autorités, qui effrayait les maires, qui effrayait les autorités sanitaires, les autorités judiciaires. Marazo torobosi kabaha, lezo arabosso katerebosiha, rababa seketerebosiha, lokatelebosso kabaha. Tous les espions qui ont été envoyés pour surveiller les activités de tes églises, Père, maintenant, nous venons comme un seul homme, avec une seule voix. Nous venons réduire ces espions. Nous venons réduire ces anges qui sont des anges observateurs. Comme c'était dans Genèse 6, il y avait des anges observateurs qui regardaient l'activité des hommes pour voir quelles étaient les filles qui pouvaient se choisir comme des épouses. De la même manière, en ce moment, il y a des esprits, des anges démoniaques qui sont en train de regarder les activités des fils et des filles de Dieu pour mettre des stratégies, pour réduire notre activité. Ah, bien-aimé, lève la voix, élève la voix. Marozo torobosa, rekatelebosa, marisa torobosi kababaha. Les causes tarabassa, réduisons-les dans l'aveuglement. Et nous les frappons d'aveuglement maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Nous les frappons d'aveuglement maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Marozo tarabassa, toute voix qui s'est levée, toute voix qui s'est levée contre tes églises, nous les condamnons maintenant. Nous les rendons, nous les réduisons au silence maintenant. Non pas seulement nous les condamnons, mais nous les réduisons au silence. Nous réduisons la puissance de ces voix, alors que nous élevons nos voix. Marozo karabosi karabosa. Nous réduisons la puissance de ces voix. Makete terebosi kabaha. Ah Père, nous te rendons grâce.
Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons la gloire de ce que tu nous as entendu, de ce que tu nous as exaucé. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Nous allons prendre encore quelques points de prière et nous allons recommander notre nuit à la grâce de Dieu. Alors nous allons prendre un premier point de prière. Nous allons prier afin que la main de notre Père soit étendue sur nous, lui qui est notre sécurité, afin qu'il nous protège. Le psaume 4, verset 9 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors nous allons élever la voix afin que la main du Père soit étendue sur nous, sur les membres de nos familles, sur nos enfants, sur tous ceux qui sont dans notre entourage, tous ceux qui sont sous notre autorité, tous ceux qui sont sous notre responsabilité, élevant la voix ensemble, élevant la voix ensemble, là où tu es, mon frère, élève la voix, invoque la main du Père, invoque sa fidélité, priant, tendre Père, nous te prions, nous te rendons grâce pour ta main étendue sur nous, Père, nous prions, alors que nous irons nous coucher ce soir. Que ta main soit étendue sur nous, que ta main soit étendue sur nos familles, que ta main soit étendue sur nos enfants, que ta main soit étendue sur nos familles étendues. Père, toi seul es notre sécurité dans notre demeure. Père, peu importe ce que l'ennemi avait prévu, de la même manière qu'il y avait une protection particulière, il y avait la marque du sang sur toutes les maisons du peuple juif lorsqu'ils étaient à Goshen, qui faisait que quand l'ange exterminateur passait, il voyait la marque du sang de Jésus. Nous invoquons aussi la marque du sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos familles étendues. Nous invoquons le sang de Jésus sur tous ceux que tu as donnés sous notre responsabilité. Nous invoquons le sang de Jésus, Père, afin que là où l'ennemi avait prévu de venir arracher des vies, Seigneur, lorsqu'il passera au-dessus de nos maisons, que le sang de Jésus soit une marque pour le détourner de nos maisons. Élevant la voix, élève la voix, mon frère, élève la voix, invoque le sang de Jésus. Marezi katalabo sotarabaha. Lebobo si katalabaha. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Malaise et terrebo sokabarabaha. Isata le rebo si katabaha. Rebobo si talabase que terrebo siha. Zeze manonuka si katabaha. Mon frère, élève la voix, ne reste pas silencieux. Invoque le sang de Jésus sur tes enfants. Invoque le sang de Jésus sur ta famille. Invoque le sang de Jésus sur ta maison. Ô toi seul, Père, et notre sécurité. Rizo invoquant le sang de Jésus sur tous ceux sur qui il nous est établi. Invoquant le sang de Jésus. Mandele katozo parabese telebosa. Rigazo torobosi paraboha. Leda bobosi katarabaha. Rekozo roboso katabaha. Mandele kosa. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons encore élever la voix. Nous allons demander au Père, comme il est écrit dans le psaume 16, verset 7. Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil. Je le bénirai même durant la nuit dans lesquelles mes reins m'enseignent. Tu vois, même dans la nuit, le Saint-Esprit continue à nous enseigner, continue à nous instruire, continue à nous conseiller. Alors nous allons élever la voix afin de demander au Père que dans cette nuit, que le conseil de son Esprit continue à nous enseigner, à nous instruire et à nous donner les pensées dont nous aurons besoin pour nos activités demain. Nous allons donc élever la voix.
et demander à l'esprit de conseil, au Père, par l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, de nous communiquer même dans notre sommeil les idées, les inventions, par des songes, par des visions, qu'il vienne nous parler dans la nuit. Les atalabazete rebosa. Ah Père, nous te prions, même dans notre couche ce soir, Père, par ton esprit, par le glorieux et précieux Saint-Esprit qui est l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, qui est l'esprit de sagesse. Malezete rebosa. Viens nous communiquer une sagesse particulière. Viens nous parler dans la nuit. Viens nous instruire dans la nuit. Viens nous enseigner dans la nuit. Viens nous donner les visions, les idées que nous devrons développer demain, les idées que nous devons mettre en place dans notre journée de demain. Ah mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train d'invoquer l'esprit d'intelligence? Est-ce que tu es en train d'invoquer l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil? Toi qui nous annonceras les choses à venir. Père, nous te prions par ton esprit de venir nous annoncer les choses à venir. Viens nous révéler les choses que nous devons connaître pour notre journée de demain, dans notre sommeil, dans notre couche. Viens nous instruire, viens nous enseigner. Père, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Père. Nous te louons et te bénissons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre un autre point de prière afin de demander au Seigneur de venir nous fortifier puissamment par son esprit dans notre être intérieur, mais aussi dans tout notre corps, de sorte qu'il est écrit, Éphésiens 6, verset 10, « Fortifiez-vous du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Nous allons maintenant invoquer le Père, nous allons invoquer le Seigneur afin qu'il nous fortifie, que nous soyons retrouvés fortifiés après toute l'énergie que nous avons dépensée dans cette journée. Et après ce que nous devons faire comme œuvre demain, nous avons besoin d'une force renouvelée. Alors invoquons le Seigneur afin qu'il nous fortifie, que nous soyons trouvés fortifiés en lui et dans sa force toute puissante. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, élève la voix, élève la voix. Marozo kariba seteleba sota reba kaderebosiha rebobo sota la baha terebosa le katorobosa marese keterebosa. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Ah Père, nous voulons être trouvés demain matin fortifiés en toi et dans ta force toute puissante. C'est pourquoi ce soir nous te prions Père, par ton esprit, lui qui agit en nous, lui par la force duquel nous sommes trouvés fortifiés dans notre homme intérieur, fortifiés dans notre âme, affermis dans notre âme et fortifiés dans notre corps. Marozo Tarabosa, qu'en cette nuit, Seigneur, qu'une force surnaturelle nous saisisse. Marezo Katabaha, Rebobo Soraba. Ah, bien-aimé frère, est-ce que tu es en train d'élever la voix? Marezete Reboso Kabaha. Les Okatezete Reboso Kabaha. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Marezete Rebosa. Esprit de force, Marese Terebosa, viens saisir mon frère, viens saisir ma soeur ce soir. Marese Keterebosso, Barebosso, Lisa Kazeterebosi Katabaha, Reboboso Katerebosso Kabaha, Les Okataze Keterebosa, Rebobosi Kamandelekoso Kabaha, Marese Terebosi Kabaha. Les Rababaha, Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Père, pour la force et la vitalité que tu vas répandre en chacun de nous dans cette nuit. À toi seul, Père, sois louange, honneur et gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prendre un dernier point de prière. Il est écrit en 1 Jean 5,
à partir du verset 14 et verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Bien-aimé, tout ce que nous avons demandé ce soir, dans le nom de Jésus, est conduit et poussé par le Saint-Esprit. Nous avons l'assurance parce que nous l'avons demandé selon sa volonté. Notre Dieu nous a entendus et il nous a exaucés. Alors nous allons élever la voix encore pour ce dernier point de prière. Et nous allons rendre grâce à Dieu le Père de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. Là où tu es, élève la voix. Tu peux élever les mains vers lui, Marose Karobosa, en signe d'action de grâce et de reconnaissance. Tu peux élever la voix, tu peux dire merci à Père, au Père. Merci Père d'avoir entendu nos prières. Merci pour ton esprit qui nous a conduits. Merci pour ton esprit qui nous a inspirés à prier selon ta volonté, à prier selon ton instruction, selon ton soupir ce soir. Nous te disons merci pour l'exaucement de nos prières, de toutes les prières que nous avons élevées devant toi, devant ton trône de grâce. Merci pour la conduite de ton esprit. Merci pour la présence manifeste de ton esprit. Merci Père, à toi qui vas nous donner une force surnaturelle. À toi Père qui vas nous apporter la sécurité dans notre nuit. À toi qui vas disposer nos nations, les territoires dans lesquels nous sommes, afin que demain nous puissions vaquer à nos activités. Père, nous voulons te rendre grâce à toi qui va nous conseiller dans notre couche, qui va nous instruire et nous enseigner. Nous te bénissons, Père, nous t'élevons, nous te rendons la gloire. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de rendre gloire? Est-ce que tu es en train d'acclamer là où tu es? Est-ce que tu es en train d'acclamer là où tu es? Bénissons Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons gloire à notre Père. Merci, Père. Merci de nous avoir entendus. Merci de nous avoir exaucés. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons à toi et à toi seul honneur, louange et gloire dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen à Jésus le Christ. Amen à notre Père. Amen pour sa bonté. Amen, amen. Ah, nous voulons te rendre grâce et te dire amen pour les prières exaucées. Amen pour ta main étendue sur nous. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oui, tu peux acclamer là où tu es. Nous acclamons pour apprécier ce que notre Père nous a donné de faire durant cette heure dans sa présence. Béni soit ton nom, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Excellente soirée à toutes et à tous. Et à demain dès 5h pour un autre temps de prière dans sa présence. Soyez bénis au nom de Jésus.